Salut, allez, c'est Seb et pour la première vidéo de l'année, on va commencer par du rallye et on va reparler de RBR. Alors, sur cette version, ce que je vais vous montrer, cette vidéo, c'est plus particulièrement, je l'avais évoqué sur la précédente vidéo, c'est en fait la disparité qu'il peut y avoir sur les différentes spéciales. Vous savez, c'est beaucoup de mode, des gens qui créent un petit peu ces spéciales qui sont, il faut pas l'oublier, mis à disposition par la communauté gratuitement. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de disparités. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui peut se faire de pire, entre guillemets, même si je suis pas allé au fond du truc parce qu'il y en a beaucoup, et ce qui se peut se faire de mieux, l'une des dernières qui est sortie en date, toujours pareil gratuitement, et qui procure vraiment qui donne des graphismes et donc une immersion vraiment très importante. Alors moi je répète toujours, la fidélité des graphismes et l'aspect esthétique améliore grandement et apporte beaucoup plus de réalisme à mon sens, même si on est bien d'accord, hein, ce qui joue sur le volant c'est plus important, ça, je suis tout à fait d'accord, mais pour moi c'est un mix de tout ça. Alors les purs rallye vont me dire que c'est pas forcément indispensable, moi j'y porte beaucoup d'importance maintenant. Voilà, donc je vais vous montrer une spéciale ou deux pour montrer ce qui se fait de moins beau sur RBR. Oublier, hein, je répète, je repose les bases, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, RBR c'est gratuit, les modes sont gratuits, les spéciales, les circuits, enfin les pistes, les véhicules, tout ça c'est gratuit, et le jeu de base est très daté, donc il faut remettre tout dans le contexte, mais c'est pour ça que je voulais mettre en lumière en fait le travail de certains modeurs qui permet d'avoir quelque chose vraiment de superbe. Après, au volant, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du FFB, hein, ça reste très très correct, et plus difficile à prendre en main que WRC. Mais bon, voilà, on va regarder cette petite spéciale. Dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la première. Fraser, je sais plus quoi le nom. Fraser Well Tarmac. Donc là, on est avec la Clio 3. Alors, je répète, hein, c'est pas pour taper, pour tirer sur RBR. Mais vous allez voir celle-ci. Voyez, c'est un ensemble, hein. C'est vraiment pas terrible. Alors au volant, on a toutes les infos, hein, c'est pas le souci. Je trouve que c'est quand même assez bien retranscrit au niveau du changement de d'aspérité et des défauts qu'il peut y avoir sur le tarmac, mais pour le reste, vous voyez, ça pique un petit peu les yeux. Et ce qui est normal, c'est pour ça que je vous l'ai dit, tout n'est pas au même niveau. Ça, c'est vraiment pas terrible. Je vais essayer de vous en trouver une petite deuxième. Allez, deuxième que je vous ai trouvé, capot di Fenno V2. Alors là, on est avec la Mitsu. Alors, je chipote, là, je chipote. Ça fait 45 minutes que je cherche un peu une spéciale à vous montrer qui pour moi est en dessous des autres. Alors vous voyez là le tarmac qui est assez mal fait. Ce qui est dommage, c'est que des fois c'est mal fait. Je parle toujours pareil, hein, côté réalisation, hein, côté graphisme. Et pourtant les spéciales en elles-mêmes ont du dénivelé, vous voyez, du keeping et tout ça, ont du dénivelé et tout ce qui va bien, je veux dire, c'est intéressant à rouler, donc c'est ça que c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est justement pour mettre en lumière d'autres aspects, justement la spéciale que je vais vous montrer juste après, qui prouve que avec du temps et du talent, je suppose, on peut faire des choses vraiment intéressantes. Là vous voyez, comme je vous disais, ça fait 45 minutes que je cherche, en fait la spéciale je les roule, quoi, c'est à dire que je surprends entre guillemets à aimer. Ça c'est chaud. Alors oui, je suis. Enfin. Oui, changement de texture de surface. Je perds mes mots. Mais bon, il y a peut-être des spéciales qui sont plus vieilles que d'autres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, enfin, encore une fois, hein, pour les spécialistes de RBR, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, il n'y a pas de filtre en fait. On a du mal à trouver un petit peu comment trouver les spéciales. Je suis en practice et c'est assez difficile à se différencier. Donc j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, l'idée comment trouver ou télécharger
les spéciales plus facilement et franchement j'ai pas trop trouvé. Vous voyez là-bas au fond c'est dégueulasse. Tant pis, on va me sauter dessus s'il faut, mais vous avez raison, je m'y amuse. J'essaye d'aller au bout, ce qui est quand même assez incroyable. Me tuer. La deuxième partie, je la trouve mieux faite. Comme quoi, vous voyez. Ouh, je suis mort. Non, ça passe. Bon, après, je suis pas concentré. Hein. Ça, c'est le problème. Je fais une vidéo sur tout en rallye, je trouve que c'est encore plus compliqué. Parce que forcément, de ma façon de faire, je les apprends pas par cœur. Bon, en tout cas, je vais vous laisser là-dessus parce que je vais terminer la spéciale. Je sais même pas, je crois qu'elle fait 8 km. Et puis, on va se retrouver sur la spéciale qui fait un peu l'objet de cette vidéo. Celle qui vaut vraiment le coup. Elle est vraiment, je trouve, superbe. Oui, on en termine quand même. Super détaillée. Pas très technique à mon sens, mais bon, c'est un modeur qui a fait ça et je crois qu'il en a fait plusieurs. Donc. Voilà, on va se retrouver là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du très beau boulot. Donc je montre quelque chose d'un peu moins beau pour mettre en lumière vraiment le travail qui a été fait sur celle-ci. Parce que pour le coup, c'est vraiment beau. Alors, je l'ai mis dans une configuration de caméra, façon de filmer un petit peu différente pour avoir une immersion encore plus importante. Ça va peut-être pas rendre honneur à cette spéciale. Mais bon, vous verrez, il y en a d'autres sur Internet, sur YouTube, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, donc pour cette première vidéo de l'année 2024, merci à tous ceux qui ont suivi la précédente sur Le Mans AMS2, qui a fait pas mal d'intérêt, qui a eu pas mal de vues. Je ne l'ai pas dit, je vous le redis maintenant, ou je l'avais dit sur différents posts. Encore une fois, meilleurs voeux, bonne année à tous. Et puis, on espère avoir pas mal de contenu, de DLC dans tous les sens. Et puis, peut-être essayer d'optimiser le matériel et peut-être un peu moins en acheter. Mais ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Allez, je vous laisse le visionnage de cette spéciale. Et on se dit à une prochaine. Tchuss. Allez, on est à bord de la WRC Fiesta de 2014. On va essayer de découvrir cette spéciale ensemble. J'ai changé le point de vue de la caméra pour essayer de vous rendre quelque chose d'un peu plus immersif. Parce que, comme vous pouvez voir, normalement, ça défile assez vite. On est quasiment à 200. Alors, il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même pas mal de pièges. Comme vous voyez ces petits poteaux là ici, ce sont des vrais poteaux en dur. Donc on le sait, RBR il est moins permissif que EAWRC. Elle est vraiment superbe, honnêtement on sait, hein, les moteurs ils font un travail exceptionnel. En plus, on sait que tout ça, c'est gratuit. Medium right, don't cut. 50, flat left, 70. Hairpin left, 100. Hairpin right, don't cut. 30, medium left, long, 50. Hairpin right, don't cut, and easy right, 50. Donc on ne peut pas choisir la météo sur ce, sur cette spéciale. Fast left, 100.
Allez, pour l'instant, on est pas mal. Partie un peu plus technique key ici. Right, don't cut. 30. Key left. Titans, don't cut. Narrows. And 90 right. 70. Flat left and flat right. 100. Flat left into flat right. 50. Easy left. 100. Fast left. 70. Key left. 50. Ouais, ça défile, hein. C'était vraiment... Alors je pouvais aller plus vite, hein, très honnêtement. Mais voilà, je voulais au moins vous la présenter parce que franchement, ça vaut vraiment la peine. Et c'est du beau boulot pour le tarif, pour tout ce que c'est. Franchement, je trouve ça... Allez-y, foncez. Si je peux, je vous mettrai les informations dans la description. Allez, moi je vous laisse. Tchuss.